Le directeur de l'ensemble scolaire privé catholique de Pau, l'Immaculée Conception, a été suspendu pour, je cite, « atteinte à la laïcité ». Christian Espezo, en poste depuis 11 années, a été convoqué au rectorat de Bordeaux pour un entretien disciplinaire. 5 syndicats ont dénoncé des cours de catéchisme obligatoires, des censures d'ouvrages et des entraves à la liberté de conscience. Ça, c'est pas la définition des pratiques des woke dans certains établissements américains et compagnie. Bon, tu me diras, on est en France. Le sénateur Max Brisson a soutenu Espezo, estimant que la décision de l'académie était outrancière. Les avocats d'Espezo vont déposer un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, évoquant une chasse à l'homme. Le SNAPUDSA voit dans cette décision l'aboutissement d'une longue procédure. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le chef d'établissement de l'ensemble scolaire privé catholique de Pau, l'Immaculée Conception, a été suspendu de ses fonctions de direction pendant 3 ans. Eh oui, 3 ans pour des atteintes, je cite, à la laïcité. Cette décision a été annoncée, c'était mercredi le 11 septembre 2024 par ses avocats. Avec un taux de réussite de 100% au bac, ce lycée est régulièrement cité comme l'un des meilleurs établissements de Nouvelle-Aquitaine, voire de France. Tu vois, donc le mec est efficace. Des accusations très graves. L'affaire a commencé en début d'année lorsque 5 syndicats gauchistes de l'enseignement public et privé ont dénoncé le non-respect des obligations contractuelles qui lie l'ensemble scolaire Immaculée Conception Beaufrène de Pau à l'État. Le quotidien Libération, qui a publié un article sur le sujet en février, citait par exemple des cours de catéchisme obligatoires et évaluait des censures d'ouvrages, des intervenants réactionnaires ou des entraves à la liberté de conscience. On est, je le rappelle, dans un établissement privé. D'ailleurs, je remarque que Libération était du côté d'un collège et d'un lycée privé à Paris qui est musulman. Donc, je me souviens plus du nom d'établissement et qui a perdu, en fait, son accréditation à l'État. Et là, par contre, pourtant, c'était les mêmes pratiques. On limite l'accès aux informations, donc avec des livres interdits. La pratique, qui est somme toute obligatoire. Bah, si tu vas dans un truc catho, si tu vas dans un truc musulman, en fait, il y a aussi une notion d'encadrement qui joue. Donc après, je sais, il faut respecter pour être accrédité par l'État, il faut certaines pratiques. Mais je trouve que le deux poids deux mesures du journal Libération est dans cette histoire vachement rigolo. Donc rappelons quand même que Christian Espezo est en poste depuis 11 ans dans cet établissement et que sa convocation au rectorat à Bordeaux pour cet entretien disciplinaire le 29 août a fait beaucoup de chalam. Selon sa lettre aux parents et aux élèves publiée sur le site internet du lycée, il déclare, âprement défendu la réputation de l'Immaculée Conception, de ses professeurs et de son personnel. Et il a réfuté point par point la vacuité des 3 griefs résultant de l'inspection administrative diligentée ce printemps grâce aux nombreux collègues, parents, anciens élèves, présents physiquement ou par leur attestation grâce à Monseigneur Sarga d'Otto et Monseigneur Ligné sans égal. Ou Maître Ligné sans égal. Ah, Maître. Non, c'est pas Monseigneur, c'est Maître. C'est les avocats. Le soutien du sénateur Mac Brisson, puisque il a eu un soutien de poids avec ce sénateur. Après l'annonce des sanctions visant Christian Espezo, Max Brisson, sénateur
Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques lui a adressé son soutien via un communiqué également mis en ligne sur le site de l'établissement. Il a estimé que la décision de l'Académie était outrancière. Il s'agit d'une attaque en règle contre l'ensemble de l'enseignement catholique, écrit l'élu. L'autorité académique a cédé aux injonctions des syndicats les plus idéologiques qui sont animés d'une vision militante et déformée de ce qu'est la laïcité dans notre pays. Après, on pourra se gausser facilement de ces pratiques alors que on voit d'autre côté le laxisme de cette même académie sur pas mal d'autres décisions. D'ailleurs, décisions parfois qui ont eu de fâcheuses conséquences pour certains professeurs qui ont même été jusqu'à en perdre la vie. Mais on va pas revenir là-dessus. C'est pas le sujet du jour. Les avocats du chef d'établissement ont annoncé vouloir déposer un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, évoquant une chasse à l'homme et mettant en cause l'idéologie gauchiste de quelques-uns. Ils avancent que leur client a été sacrifié sur l'autel expiatoire des attaques récurrentes contre l'enseignement privé. En revanche, de son côté, Christian Esposo peut, lui, continuer à enseigner. Alors, il y a maintenant, il faut en parler, la réaction des syndicats. Le SNAP-UNSA, l'un des syndicats qui ont sollicité l'avis du rectorat, y voit l'aboutissement d'une longue procédure et souligne l'abondance des faits signalés par les collègues de l'établissement, sans donner de détails. Bah, mais on aimerait avoir des détails, hein? Parce que moi, c'est ça qui est important, parce que le vice est toujours dans le détail. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. 100% au bac quand même, hein? Ah, mais c'est impressionnant. Ah, peut-être moi, ça m'impressionne. On se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.